Good morning, Alei, Den, les Yisroel, aujourd'hui, les Lunishmat, Moriver, Bishmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Richa Batrim Nechemia, Shalom Ben Chbiba, Sekelir Fouat, Avraham Mori Ben Reout, Betor, Shah Rol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de 2045 minutes éternelles, nous étudions Masachet Zvachim, Perek Yud Gimel, Mishnah Gimel. Chomer Bashechita mi Baalia, ou Baalia mi Bashechita. Chomer Bashechita, Shachochet la Hediot, Chayav, והמעלה להדיות פטור. חומר בעלייה, שניים שחזו בסכין ושחטו פטורים, אחזו בעבר ואלו הוא חייבין. העלה וחזר ואלה וחזר ואלה, חייב על כל עלייה ועלייה. דבר רבי שמעון, רבי יוסי אומר, אינו חייב אלא אחת. ואינו חייב עד שיעלה לראש המזבח. רבי שמעון אומר, אפילו אלה על הסלע או על האבן, חייב. רובכון, maintenant, le sujet essentiel de notre chapitre, qu'on a ouvert déjà depuis la Mishnah Aleph, on a fait une petite pause dans la Mishnah Bet, maintenant on revient dessus pour la suite des Mishnayot aussi. Les deux interdits de Shochet ou Ma'ale. Shochet, c'est qu'il égorge un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash. Ma'ale, c'est qu'il va les faire monter, il va les brûler comme un korban, mais à l'extérieur du Beth Amikdash. Et le but de notre Mishnah va être maintenant de nous poser les conditions requises pour lesquelles on va transgresser l'un interdit ou l'autre. Il y a quelques petites différences, comme ce que la Mishnah va nous marquer tout de suite la différence. Chomer Bashechita Mebalia. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la première partie de la Mishnah, où il va y avoir les différences essentielles. On va ouvrir les psukim, on va déduire ça des psukim, et après on va continuer sur le sujet de la Mishnah. Pour le moment, on va marquer les différences essentielles de définition, de conditions plutôt, je dirais. Chomer Bashechita Mebalia. Telles sont les conditions plus strictes, rigoureuses, que l'on a trouvé dans la Shechita, à la différence de la Aliya, du fait de faire monter, de brûler sur le Mizbeach. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des... Il va y avoir des conditions, la Torah, elle va donner des conditions beaucoup plus strictes, en fait, pour transgresser, on va plus facilement transgresser l'interdit d'égorger un korban à l'extérieur du Beth Amikdash que l'on va transgresser l'interdit de brûler les membres du korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Et inversement aussi, au Baaliya Ami Bashechita. Il existe aussi certaines conditions qui seront au contraire plus rigoureuses, plus strictes, où on transgressera plus facilement l'interdit de brûler à l'extérieur du Beth Amikdash que d'égorger un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. D'accord? C'est-à-dire, je répète juste la phrase de manière simple, on va tout de suite voir les exemples, donc c'est pas la peine d'allonger, mais transgresser l'interdit d'égorger un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, on va, dans certaines... on va remplir... Sur certains plans, on va remplir les conditions beaucoup plus facilement que l'interdit de faire brûler sur le Beth Amikdash, et inversement aussi, par rapport à d'autres plans, alors on va transgresser plus facilement l'interdit de faire brûler les membres à l'extérieur du Beth Amikdash que l'interdit de dégorger. Et on s'explique tout de suite parce qu'on comprend probablement pas grand-chose. Donc la Mishnah me dit « Chomer Bashechita, Shachochet la Hediot Chayav, Vamaale la Hediot Patur. » Telle est la condition... Regarde en quoi les conditions de la Shechita, du fait d'égorger, vont être beaucoup plus rigoureuses, vont favoriser la transgression, qu'on va transgresser beaucoup plus facilement l'interdit de Shochet par rapport à l'interdit de brûler. En quel point ? Shachochet la Hediot Chayav, car celui qui va égorger un korban pour un Hediot, pour une simple personne, il sera Chayav, il sera condamnable, il sera passible d'apporter un korban khatat, par exemple, s'il était Beshogeg, et s'il était Bemezid, il sera passible de karet. Tandis que Vama'ale la Hediot Patur, tandis que celui qui va faire brûler, qui va brûler un membre, qui va faire griller un membre du korban à l'extérieur du Beth Amikdash pour son ami, pour quelqu'un de profane, alors il sera dispensé du korban. C'est-à-dire, en deux mots, imaginez que j'ai un korban khatat, Ola, Shlamim, peu importe, je devais l'amener au Beth Amikdash, l'égorger là-bas et faire monter les membres sur le Mizbeach pour les brûler. J'ai transgressé les deux interdits parce que j'avais faim. Alors, l'interdit d'égorger à l'extérieur du Beth Amikdash pour me nourrir, je transgresse l'interdit de Shrut et Chutz. Tandis que, après, imaginez que pour brûler les membres, je vais faire un autel, ça me prend de vouloir faire un autel par exemple, ou peu importe pour le moment, quelle que soit la manière dont je vais griller cette viande à l'extérieur du Beth Amikdash, puisque je ne le fais plus en l'honneur d'Hachem, je le fais pour mon ventre, pour le ventre d'un idiot, de quelqu'un de simple,
donc plus pour du Kodesh, alors on ne transgressera pas l'interdit de brûler, de faire griller un membre de Korban à l'extérieur du Beth Amikdash. L'interdit de faire griller un membre de Korban à l'extérieur du Beth Amikdash n'incombe que lorsque l'on va brûler en l'honneur d'Hachem. Je vais vouloir faire un sacrifice pour Hachem dans ma cour en prenant les membres, en les faisant griller pour l'honneur d'Hachem. Là, je suis en dehors du Beth Amikdash, c'est un interdit. Mais si je le fais parce que je suis en train de me faire mon steak de midi, eh ben, on ne transgressera pas cet interdit. Il y aura d'autres interdits, mais pas celui-ci, en tout cas, de m'aller. D'accord ? On va bien sûr après ouvrir les psukim pour déduire ça des psukim. Pour le moment, je continue sur la suite, sur la comparaison réciproque aussi. Chomer ba'aliyah. Et inversement, tu trouveras que parfois, sur le fait de faire griller à l'extérieur du Beth Amikdash, tu transgresseras plus facilement que sur le fait d'égorger. Dans quel cas de figure ? Shnaim shachazu basakin veshachatu pturin. Si deux personnes ont attrapé le couteau ensemble et ont égorgé l'animal, ouais, même si la shrita allait, parfait, il n'y a pas de problème. Malgré tout, ils ne seront pas passibles du korban. C'est-à-dire, si on a un korban à l'extérieur du Beth Amikdash et qu'il y a deux personnes qui vont ensemble attraper le couteau et qui vont l'égorger comme la halakha le prescrit, il n'y a pas de problème de shrita. Malgré tout, on ne transgressera plus l'interdit de korban, d'égorger un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. À la différence de l'interdit de Maalé, que achazu be'ever ve'eluhu chayavin. Si deux personnes vont attraper ensemble un membre pour monter sur le misbeach que j'ai construit dans ma cour et le faire griller en l'honneur d'Hachem, eh bien, ils seront tous les deux passibles du korban parce qu'ils auront tous les deux transgressé. On fait un petit break et on ouvre tout de suite le pasouk. On est dans la Ikra Yudzaïn, dans la paracha de Acharemot. Là-bas, dans Perek Yudzaïn, pasouk Gimel Dalet, ça commence plus ou moins. On avait remarqué déjà, on avait rapporté des psukim avant-hier. Et il y avait là-bas pasouk Gimel Dalet d'un côté, et puis après il y avait le pasouk Chet Tet. Une fois, on parle de Shochet Bachout, celui qui égorge, qui va abattre le korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Et la deuxième partie de la paracha va parler de celui qui va être maalé et qui va faire monter sur le misbéach à l'extérieur du Beth Amikdash. Et si on va faire attention maintenant à une différence d'expression qui a été utilisée. Regardez, le pasouk commence en me disant, quand on parle de Shrut et Chutz, on va parler de Ish, Ish, mi bet Israël. Un homme, regardez, on a répété deux fois, on n'a pas dit Ish, mi bet Israël, on dit Ish, Ish, de là ça va être important. Un point important qu'on va déduire de là. Donc, un homme du bet Israël, de la maison d'Israël, Asher Ishrat, qui va égorger un Kesev ou un Ez, ou un Shor, Kesev ou Ez, un animal dans le campement, c'est-à-dire dans la ville, et pas au Beth Amikdash. Je saute un peu vel petach ol moed loevio et qu'il ne l'apportera pas au el moed dans le mishkan ou bien dans le Beth Amikdash la kriv korban l'Hashem pour en faire un korban en l'honneur d'Hashem lifne mishkan Hashem devant le mishkan d'Hashem alors dam yichashev la'ish ahu dam shafach. La Torah utilise un pasuk un peu violent en me disant on demandera des comptes sur le sang de cet homme si Aïchaou dame Shafar sur le fait qu'il a versé du sang à l'extérieur du Beth Amikdash. Ça c'était pour le Shruté Khoutz. Dans le Pasouk maintenant, qui va parler de Ma'ale Bachoutz, de celui qui va faire monter sur le Misbar à l'extérieur du Beth Amikdash, le Pasouk utilise quelques petites nuances d'expression en me disant Valem Tomar, Ish Ish mi Beth Israël, Ominager, Asher Yagur Betocham, Asher Yale Ola Ozevach. Vel Petach, d'accord ? Donc un homme, on aurait répété le mot Ish Ish, c'est d'ailleurs intéressant que j'avais pas fait attention quand j'ai préparé le cours, je sais pas comment je vais m'en sortir, mais on verra ensuite. Hachem Yazor. En tout cas, un homme du Beth Israël qui va faire monter sur un autel à l'extérieur du Beth Amikdash. Vel Petach Oel Moed Lo Yevien ou la Sototo l'Hachem. Et il ne l'apportera pas. Et alors qu'il ne l'aura pas apporté au Beth Amikdash, la sainte auto l'Hachem, pour le faire en l'honneur d'Hachem. Là, il y a une insistance très importante. Et de là, on va prendre la première halakha, justement. Et donc, dans les deux cas, la Torah continue en me disant que cette personne, Venichat Aishaou, Mikerev Amo, Venichat Aishaou, Me'amav, cet homme-là sera passible de retranchement. D'accord ? Il sera Chayav Karet. Ok. Maintenant, on a pris quoi ? Alors regardez, on avait la première partie de la phrase rapportée dans le Vartanoa, tout ça. Hein. Le Vartanoa va me dire, pour le... Alors la première différence qu'il y avait entre les deux, c'était le but de la transgression.
Si j'ai égorgé pour me faire mon steak, je suis passible de karet. Tandis que si j'ai brûlé, consumé sur le misbéach à l'extérieur du Beit HaMikdash pour me faire mon steak, je serai patour. D'où on déduit ça? Alors on déduit justement du pasouk. Gabé Shrita, à propos de la Shrita, il y a marqué Dam Yechashev Laish. Si on fait attention, il y avait marqué dans le pasouk, je reviens sur le pasouk, que la pasouk, le pasouk me dit Dam Yechashev Laish Haou. On tiendra compte du sang qui a été versé pour cet homme, mais on fait un petit jeu de mots, on coupe un petit peu les mots en disant Dam Yechashev Laish. On considérera le sang qui a été versé, même si c'était que pour l'honneur d'un homme. C'est un peu une déformation du pasouk, mais ça arrive lorsqu'on a des mots en trop, qu'on aurait pu plus simplifier. Donc le passage de la Torah, elle inclut deux intentions en utilisant une expression un petit peu redondante. D'accord? Comme ça, c'est déduit. Donc, de ce fait, Dam Yechashev Laish, on considérera le son versé, même s'il l'a fait en l'honneur d'un homme, pour pouvoir lui donner à manger un bon steak. Tandis que lorsqu'on revient sur le pasouk de Ma, qu'on continue sur le pasouk de Ma'ale Bachout, là-bas, il y a marqué qu'il ne l'aura pas, Vel Petacho El Moed Loye Vienu La Sototo L'Hachem. Il ne l'aura pas pour le Beit HaMikdash pour le faire auto en l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire qu'il a fait en l'honneur d'Hachem, mais pas dans le Beit HaMikdash. À l'extérieur du Beit HaMikdash, seulement là, il transgressera. Ça, c'est la première différence. Tandis que la deuxième différence, c'était à propos de, lorsqu'on avait marqué, on avait vu deux personnes qui vont attraper le coudeau ensemble et qui vont égorger. Là, le pasouk me dit, dirtiv, dam, veshachatu pturin, dirtiv, dam yachashev laish haou. Eh ben, bon, Hachem, j'ai trouvé ma solution, que le pasouk va me dire, lorsqu'on va parler de la condamnation, c'est vrai qu'au début du pasouk, le pasouk me dit, ish, ish, c'est vrai, mais dans la suite, il y a marqué que dam yachashev laish haou, dam shafar. Le sang versé sera reproché, réprimandé à cette personne-là, laish haou, une insistance pour en dire lui tout seul. Tandis que dans la deuxième paracha du Ma'alé, de celui qui va faire brûler Alexandre du Beit HaMikdash, là-bas il n'y a plus marqué Venichat, il y a marqué Venichat Aïcha, ou je ne sais pas comment ça range. D'accord? Désolé, j'ai pas bien approfondi mon chiour avant de le préparer. J'avais pas fait attention aux détails, mais bon, il est déjà tard dans la nuit, donc j'ai envie de finir. C'est pas grave, on aura soulevé une belle question. En tout cas, le partenaire, il vous rapporte, Ve'elahu, que le pasouk, il a commencé par Ish Ish. On a rajouté le mot Ish Ish pour te dire, même, Chantal Moudelomar, Ish Ish. Elle a la rabot Shneim Shachazou Bever, même deux personnes qui ont attrapé ensemble. Maintenant, voilà ce qui est écrit dans le partenaire. Du coup, en étudiant avec vous, j'ai constaté une double question, que l'expression « ish ish » elle est aussi utilisée à propos de « shrut echout » et par rapport à l'histoire là, du « haish haou », et bien si vous faites attention, il y a marqué « venichat haish haou » mais « amav ». Donc en fait, je ne sais pas répondre le Baal Tanoura, mais maintenant, je louche sur le Tosfot Yom Tov et je vois qu'il a allongé sur le sujet, il y a même du Rabbi Akiva Eiger qui va s'occuper de tout ça, vraisemblablement. On a étudié la Mishnah avec le Barthe Noir, on a soulevé les questions, on est obligé de te répondre. D'accord? On continue avec la suite de la Mishnah. On garde le pasouk à portée de main parce qu'on va en avoir besoin de nouveau. Il y a marqué ensuite, nouveau sujet maintenant de la Mishnah, deuxième partie. Il va y avoir encore deux petites parties, deux petites machlokot. He'ela vechazar vehe'ela vechazar vehe'ela chayav al kol aliyah va'aliyah. Divrei Rabbi Shimon. Si toutefois il y avait le même korban, pour un même korban que j'ai égorgé à l'extérieur du Beit HaMikdash, on a transgressé l'interdit, ok. Maintenant, il y a le nouvel interdit de faire monter sur le misbéach. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à décortiquer l'animal, j'ai retiré certaines graisses, je les ai faites monter sur l'autel que j'ai construit dans ma cour. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? On n'a pas le droit de faire dans sa cour. Ok. Après, je suis de nouveau, j'ai de nouveau oublié que c'est interdit, et j'ai continué ensuite à décortiquer maintenant une autre sorte de graisse, ou si c'était une ola, peu importe, j'ai pris un autre morceau de viande et je l'ai fait monter sur le misbéach une deuxième fois. Après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça s'ouvre? Et je recommence de nouveau et je retombe dans l'oubli. D'accord? C'est une notion de yada, venelam, veyada. On parle souvent de ça dans Kritout. On sera alors la Mishnah m'enseignera. C'est important de faire, c'est-à-dire qu'on fait une qu'on transgresse par inadvertance, qu'on réalise son erreur et qu'après on replonge dans une nouvelle inadvertance, un nouvel oubli, et qu'on retransgresse de nouveau par inadvertance, alors on sera passible à chaque fois de korban, d'un nouveau korban sur la même transgression, et c'est ce qui se passe justement ici. Même si c'était le même animal, le même korban, chaque morceau que j'ai fait monter dans un nouveau he'elem, dans une nouvelle situation où j'avais oublié la halakha, ça s'appelle un he'elem, alors je serai passible à chaque fois d'un nouveau korban, tel est l'avis de Rabbi Shimon. Tandis que Rabbi Yossi Omer,
Eno chayav ela achat. Rabbi Yossi va me dire qu'il ne sera passible que d'un seul korban. D'accord? Il y a assez déduit d'un pasouk. Je ne sais plus d'où c'est déduit. Le Tiferet Sion ne le rapporte pas. Apparemment, il faut regarder dans le. Non, même toi, c'est sûr, il ne rapporte pas. Donc voilà. Ok, c'est déduit de pasouk. En tout cas, Rabbi Yossi, il nous dit non, on sera sur un même animal. Tu es passible que d'un seul khatat. Même si tu réalises son erreur et tu oublies et tu refais encore une fois une nouvelle transgression, tu auras transgressé qu'une seule fois. Dernière machloket dans la Mishnah. Veno chayav ad she'ale le rosh ha-misbeach. Il ne sera passible d'un korban que s'il va le faire monter en haut d'un misbeach, en haut d'un hôtel. C'est-à-dire, dans sa cour, il a construit un hôtel. Ouais. C'est pas qu'il s'est mis à allumer son barbecue et que là-bas il a fait griller sa viande. Ça, c'est pas un hôtel. Tu transgresseras pas l'interdit de ma'aleh, de faire monter à l'extérieur du Beth Amikdash. Faire monter, il faut nécessairement le faire sur un hôtel en l'honneur d'Hachem. D'accord? Tandis que ça, c'est l'avis de Tanakama qui me dit qu'il faut construire un hôtel, un cube, d'accord? Quelque chose qui a été fabriqué. Ensuite, c'est déduit ça de Noach. Maintenant, rapporte, Vaïven Noach, Misbeach, l'Hachem, quelque chose, il a construit un hôtel en l'honneur d'Hachem. Tandis que s'il a pris uniquement, il y avait un beau rocher, par exemple, qui avait une belle forme, alors, du coup, il s'est dit, ah, sur ce rocher, en l'honneur d'Hachem, je vais faire griller un corban. Alors, il ne transgressera pas l'interdit de m'aller d'après la première vie de la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, ma filo est là à la Sela, ou à la Even Chayav. Rabbi Shimon enseigne que même s'il est fait monter, même sur un Sela, sur un rocher, ou à la Even, ou sur une pierre même, apparemment qui est plus bas, ouais, qui est moins haute qu'un gros rocher, malgré tout, il sera Chayav. Ça, c'est déduit de que ça peut être. J'avais vu ça, c'était à propos de. On remarque parfois, à propos de Manoar, par exemple, dans l'Aftara de Manoar, qu'on a lu récemment, lorsqu'on a parlé du Nazir dans Béalotra, je pense, il y avait là-bas, d'un Nassau plutôt, il y avait là-bas, on a parlé qu'ils ont fait un corban sur une pierre. Donc en fait, tu constates que dans une Bamatiachid, un rocher peut aussi faire usage d'autel, et de ce fait, il nous dit Rabbi Shimon, il nous dit, ben, il en va de même aussi pour l'interdit de Maale Bachutz. S'il va prendre un korban, il va le faire griller sur un rocher qu'il va désigner en guise d'autel, et ben il transgressera l'interdit de Maale, tandis que Tanakama requiert nécessairement de construire un Mizbeach. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Koto. Salam.